ici, ne pouvons pas les manifester. Mais il est trop fort. Ça ne parle pas de médecin. Azul Filek, clan du Mardessa, dans le 11e. Des choses, l'événement, où est-ce que ça L'événement, à Dithazouara, à Dina Azul, et Tiki 5, Azul, et Kouaz Mathani, Diusen, Iglan Dagi. Dithazouara, à Dina, c'est l'événement, c'est un événement, Iglan, Idi Soujed, Massa Silway, Iwakin. ولكن أدي سفر تكتف دي ناس إكسي وجد دي 20 سنة دي المند تلاليث نتمر تقبيليث دونك السرمة قبيليين تي قبيليين أذوالين تيوك كن قارن تكتف تاقي ولكن أدفهمان دي تزوارا ذا شوثن ولكن أنزار إيماننا دي قمنوغ وقاين يار دونك تكتف تاقي تيني شدن أو قدو تقبيلي تيني شدن أرازورانيس تيني شدن أرثي ذارثي ناس يا دي دونيث تنميرت أنا ميرتيك يا غنشقير مازال عاد ونبدا تمليليت واسع دونك كتفدو هكا شويه ذاينين تراجو راه حتى كي يزال 15 20 دقائق اني لين وجدي كذاكي اي وكان تفدي ثمني لي ثاكي عند راه تيلي ان كونفيرونس دو بريس راه يقدم مساس الوالي تنميرتيك يا غنشقير تنميرتيك تشني مس رشيد وتنميرتي تيكي 5 كارديف كنوال نتكلم في الناس السلوي نتشيش نتشيش دي ديالنا الومنا ونتخوفيلي دونك ان سوفيس بلا لا ديلا ونسوتي الاركان ديال انايت ونمول في هذا التليفون نون سيلونسيو
لكن اتساعدكني وثا سير بليت المال فنوان ومين كفا دونك مين كفا هو المساس الواي تولا ديالي غورنا سين داغوروس انا ديث ا لافونت دونك ويد يورنا لا داغون او ميم طون وين يفغال استجارد اجارد تكلفت كي مساس الواي ادي عدي غوروس هذاك المال فنوان اذكر اول إماس أكسلانس ديال بور بارول دي غوفرنونس تال ميرفا تال ميرفا غير كذا دينار قبل تيني لا سيونس دو ديديكاس Il y aura 20 minutes d'échange si vous avez des questions. Non mais le samedi c'est notre tagué, on aura une petite séance d'échange. Voilà. Malan Jaran tagué, on prendra donc 20 à 25 minutes. Voilà. Très bien. Merci Chloé. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à toutes et à tous à cet événement tant attendu qui nous réunit aujourd'hui. Adina Kelsin, M. Lahin, Fiktaftagin, M. Silway, Atadjar, Dikoulin, Indigolana. Ce livre est un recueil de 20 ans de réflexion puisé dans le feu de l'action d'un combat politique singulier. Ces textes accompagnent ces deux dernières décennies, inédits à maints égards, dans la réalisation de l'histoire et de la renaissance du peuple Kabyle. Ils ont été écrits pour lever des obstacles idéologiques et politiques, sauter par-dessus des murailles de la pensée préétablie, escalader des montagnes d'idées abruptes pour avancer sur la voie de la liberté. Ils sont autant d'éléments d'une pensée et d'une volonté de redonner espoir à une société épuisée par un interminable combat qui, à maintes reprises, était conduit sur des voies d'impasse. Ce petit passage est ce qui accompagne justement, c'est le mot de l'éditeur, dans sa présentation donc, du livre que vous trouverez donc en quatrième de couverture. Réflexion dans le feu de l'action. Histoire de la renaissance du peuple Kabyle. Tout est résumé dans ce titre. De la réflexion, il y en a eu beaucoup et pas seulement dans les 20 dernières années. Parce qu'il n'y a pas eu une seule action ou entreprise efficace sans qu'il y ait au préalable une analyse de la situation. Parfois, l'urgence exige que la réaction ou la décision soit rapide et mesurée, et c'est là que l'intuition, l'expérience de la lutte et de la capacité d'écoute avant toute prise de décision joue un rôle essentiel. Le feu de l'action, c'est recevoir des coups tout en essayant d'agir et de poursuivre son chemin. Enfin, l'histoire de la renaissance du peuple Kabyle, qui sort de plusieurs décennies, au moins pour la période moderne, de violence et de déni, et qui prend conscience de manière collective de ce qu'il est et de ce qu'il doit faire pour briser les chaînes. Avril 2001 est sans nul doute le tournant décisif qui a poussé l'auteur de ce livre à prendre ses responsabilités de se lancer sur le chemin ô combien sinueux qui mène vers l'indépendance. Après une décennie de sang et de violences extrêmes, la Kabylie a été la cible d'une agression inqualifiable de la part du pouvoir central algérien, islamo-militaro-mafieux, pour servir, encore une fois, de bouc émissaire à des fins d'équilibre clanique notamment. Le chemin parcouru depuis est immense, jalonné de batailles et de luttes, de victoires et de succès, parfois de déceptions et de déconvenues, mais toujours avec la conviction profonde que la Kabylie mérite tous les sacrifices. On ne peut gagner que les batailles que l'on engage.
Et la liberté s'acquiert centimètre par centimètre, jour après jour, au prix d'une mobilisation et d'un engagement sans faille. Une tâche souvent éprouvante, mais tellement nécessaire et indispensable pour arriver à casser un tabou que beaucoup n'osent même pas évoquer, même dans leurs rêves les plus fous. L'auteur a connu la guerre et son lot de misère et de souffrance. Il a perdu son père, mort pour la liberté et l'honneur. Il a connu le mépris et la violence de l'administration, la période de Bumbla, qui n'hésitera pas à envoyer à la Kabylie lors de la guerre menée par le FFS contre le MFS d'Aïd Ahmed. Puis, à partir de la sortie de l'adolescence, la période de Boumediene et ses 13 années non moins violentes qui ont fait le lit de l'arabo-baptisme, puis arrive 1980 et la déflagration du printemps kabyle, dans laquelle il jouera un rôle majeur en compagnie de plusieurs camarades de lutte, dont certains ont fait des choix bien différents par la suite. 1988 ouvre une brèche dans le système en place, et c'est l'occasion de s'organiser dans un mouvement politique, le RCD, son combat sur le terrain politique et culturel en s'affranchissant de toute tutelle. En juin 1998, l'assassinat de Matablo Nas le bouleverse profondément, mais ne le détourne pas de son engagement dont il commence à construire les contours d'un projet particulier pour la Kabylie. Le 19 juin 2004, c'est à son fils Abzian, à défaut de s'attaquer à lui, que le pouvoir d'Alger ravira la vie à Paris pour le dissuader de poursuivre son combat pour l'émancipation et la liberté de la Kabylie. Mais bien que touché au cœur, il ne cédera pas à la menace et à la lâcheté des criminels. Il poursuivra sa marche malgré les coups qui n'ont cessé de s'abattre sur lui, de l'intérieur comme de l'extérieur. Tout le reste, vous le trouverez dans ce livre passionnant où l'on découvre une grande capacité de résilience, de réflexion et d'analyse, mais aussi une générosité et un engagement sans faille pour la Kabylie, dont chaque Kabyle, secrètement ou ouvertement, ne cesse de rêver. Désormais, le rêve devient réalité, jour après jour, et le monde entier est témoin de la lutte pacifique du peuple Kabyle sur le chemin de son indépendance. Je termine cette présentation succincte en paraphrasant Christophe Colomb, que l'auteur cite en préambule de l'article qu'il consacre au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, page 337. Rien de ce qui résulte du progrès humain ne s'obtient avec l'assentiment de tous. Et ceux qui aperçoivent la lumière avant les autres sont condamnés à la poursuivre en dépit des autres. Mesdames et messieurs, vous aurez noté que je n'ai pas prononcé le nom de l'auteur, mais vous l'aurez reconnu. Donc je parlais bien de Massasilwaï Farhad Mahni, à qui je donne la parole. أزول في الأول تنمير تيكون ممكن جلسان أكدام يكون ويدا لدي والين السريد تملي لثان غالي والين تبي ديوت مالي عدي وكود تموت تقليلي دوار تقليلي دويد يسعنا بزوي يتسلبن يدورار سكود تلبن سكود يتسلي وذراعي لسوين أذليس يغريد نصود السام ذوين رهدو يويدك يغدين غفت الليم مقديلين مغرف قديلين غفت ذاك نعتسفن غفت ذي توان غان وتساعد شي خدمن إني كان لقديليين أعدام يكاد سينا يبوي سند أسفل هذا هذو هذا اللسان يويد إلى نكدي الحبس السا نغوي درار نون أخطر لا ليست مازال نسفكر Le travail sur les idées et celui de la taille de pierre. C'est un travail de bagnard. Quand vous avez des idées ancrées
qui sont devenues des convictions de foule, de masse, ces idées deviennent des forces matérielles. Je n'invente rien, c'est une explication de Karl Marx, on s'entend. Une idée ne peut naître en tant qu'intuition. Et puis, cheminer en vérifiant un certain nombre de préalables, on finit par acquérir l'intime conviction que c'est une vérité. Mais les idées meurent du fait de la disparition ou de l'extinction des conditions qui leur ont donné vie. Et de nouvelles idées naissent. Nos aînés, nos prédécesseurs, les Kabyles qui ont eu à assumer des responsabilités sur le peuple kabyle, le destin du peuple kabyle, l'ont fait avec leurs moyens de bord. Dans la réalisation de l'histoire, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas d'orientation préétablie. Il y a ceux qui ont exercé la responsabilité et le déni de soi. C'était difficile. Cela a été abrupt, cela a été douloureux, puisque il y a un prix à payer pour parvenir à transformer les idées, à changer la façon de voir, à promouvoir un projet qui fédère l'ensemble des Kabyles. J'ai eu beaucoup de faux procès qui m'ont été faits de la part de mes camarades de combat des années 80 en disant « Pourquoi il ne nous a pas consultés ?» Comme si ce genre de combat se consulte. Quand vous avez tout le monde qui est braqué vers, qui a le regard braqué sur ailleurs et que vous voulez le détourner de l'autre côté, il ne vous écoute pas. Et de toutes les façons, personne n'a été empêché de rejoindre après. Ce n'est pas une affaire de coquetterie, ce n'est pas une affaire d'ego, c'est une affaire, c'est l'affaire du destin du peuple kabyle qu'il y a lieu de réaliser. Donc la première des idées, c'était d'affirmer un destin séparé de l'Algérie, destin. Pas tout à fait séparé dans un premier temps, c'est parler d'autonomie. Il fallait la légitimer, il fallait lui donner des assises, il fallait lui donner les arguments nécessaires pour que cela soit valide. Cela a été difficile parce que au départ, il y avait en 2001 l'arrache qui ont émergé, qui ne savait pas ce qu'il faisait. Sincèrement, ils ne savaient pas dans quelle direction ils allaient. La plateforme d'Al-Aqsa, c'était du n'importe quoi. Une fois que les 14 points ont été satisfaits, et alors ? Et après ? L'histoire ne s'arrêtait pas là. Il fallait aller au-delà. Donc, l'Arache nous m'avait combattu à l'époque, en parlant d'autonomie de la Kabylie, hein. C'était eux qui disaient « Algérie une et indivisible ». Ça ne fait rien. Malgré cela, beaucoup d'anciens membres de l'Arache sont aujourd'hui du MAC, ont épousé les idées d'indépendance, pas seulement d'autonomie maintenant. Voilà. Et chemin faisant, il fallait redonner au Kabyle la fierté de ce qu'il est, lui redonner la conviction qu'être Kabyle est un capital immortel, est un capital inestimable.
il fallait investir en la Kabylie et en le peuple kabyle. Bien entendu, à chaque étape, il y a, à chaque étape de franchie, il fallait passer à une autre étape. Et c'est ainsi que, chemin faisant, nous sommes passés de l'autonomie, on est passé au droit à l'autodétermination, de l'autodétermination à l'indépendance. Et que les choses soient remuées en profondeur à chercher toutes les justifications à travers l'histoire. Relire l'histoire, non pas telle qu'elle a été écrite par tout le monde, sauf par nous, mais relire l'histoire à partir de notre regard, à partir de la centralité kabyle. Et c'est toute l'originalité de l'œuvre. Ce livre est composé de 5 parties. La première, il fallait régler le problème entre la Kabylie et l'Algérie. C'est un impossible mariage entre les deux. Un corps de texte qui remet en cause l'appartenance de la Kabylie à l'Algérie, ou du moins qui montre l'incompatibilité en tant que Kabyle d'être algérien. Ensuite, il y a la deuxième partie avec les Amazighs, la Kabylie et les Amazighs. Il fallait en finir avec la confusion Kabyle-Amazigh. On se disait depuis 1980 qu'on était Amazigh. Il faut le dire que c'est depuis 1949 qu'on se disait Amazigh. Et que l'Académie berbère avait amplifié cela dans les années 60 et les années 70 avec Mouloud Mahamri, avec Kateb Yassine. Il y avait cette amazérité qui nous gagnait. En fait, je l'ai dit plusieurs fois dans mes conférences que c'est par lâcheté, que c'était par la peur d'affronter le pouvoir algérien qu'on se disait amazigh, juste parce qu'on avait peur de se dire kabyle et qu'on allait être taxé de séparatiste et donc passible de la peine de mort. On n'avait pas le courage d'affronter la bête immonde parce que nous n'en avions pas les moyens politiques et idéologiques. Il y avait un tabou qu'il fallait surmonter. Et donc après, il fallait montrer aux Amazighs que nous nous sommes battus contre les États nord-africains au nom du droit à la différence. Mais une fois que nous sommes entre Amazighs, dire que je suis kabyle, ah non, tu n'as pas le droit, on est des Amazighs. On a reproduit les mêmes réflexes que nous combattions contre le régime algérien. C'est-à-dire que nous sommes porteurs de l'idéologie que les systèmes français et algériens ont mis en place, le prêt-à-penser qu'ils nous ont préparé. Donc il fallait dire, oui, les Kabyles, ce sont des Amazighs, mais tous les Amazighs ne sont pas des Kabyles. C'est comme si vous dites, l'Europe du Sud est latine, hein, les Français sont latins, mais tous les latins ne sont pas des Français. Vous dites que, par exemple, les Croates sont des Slaves, mais tous les Slaves ne sont pas Croates. C'est cette façon de voir qu'il fallait absolument faire pour émanciper le Kabyle d'un corps idéologique qui est l'essence même de sa propre négation. Si nous sommes des Amazighs et que nous ne sommes pas des Kabyles, donc nous ne sommes pas un peuple en tant que Kabyle. Si la langue Kabyle n'en est pas une, c'est une variante, comme nous disent les linguistes, c'est une variante du berbère. Donc nous ne sommes pas un peuple. Seul un peuple a une langue.
si nous n'avons qu'une partie d'une langue, c'est que nous ne sommes pas un peuple, nous ne sommes qu'une partie d'un peuple. Donc il fallait s'émanciper de tous ces travers et de toutes ces visions un peu erronées et surannées. Ensuite, il y a une troisième partie, c'est la Kabylie avec elle-même. Nous avons un certain nombre de réflexes, nous avons un certain nombre d'orientations acquises par notre passé qui font que nous nous dressons les uns contre les autres. Il y a des Kabyles, et qui osent le dire, même aujourd'hui, qu'ils sont anti-indépendantistes. Comment ? Tu es contre ta propre indépendance, ta propre liberté. C'est incohérent en soi. Qu'on veuille bien faire des alliances avec d'autres. D'accord. Hein ? Ceux qui nous disent, non, on va faire une Algérie fédérale. Pourquoi on ne ferait pas une Afrique du Nord fédérale alors ? Pourquoi c'est l'Algérie ? Pourquoi rester dans une cage dans laquelle on nous a cantonnés et on doit rester de dociles images à ne faire de mal à personne, mais que ce soit d'autres qui nous déplacent et qui nous utilisent au gré de leurs idées et de leur vouloir surtout.